Je suis Catherine Champsaur, responsable administrative de la filiale Nomacorp France. C'est une filiale de notre société dont le siège est aux États-Unis. C'est le bouchon issu de matières synthétiques. On est numéro 1 mondial et numéro 2 mondial de la filière de bouchage. Nous faisons aussi des machines destinées au milieu vitivinicole pour la mesure de certains paramètres comme l'oxygène, le CO2, les polyphénols, la couleur. Et on avait besoin de support pour pouvoir nous installer en France. Et la pépinière Innoveum nous a permis de monter un dossier rapidement au bon endroit, puisqu'on souhaitait se trouver dans le Languedoc-Roussillon, qui est notre premier marché européen, et près de certains centres de recherche comme l'INRA de Pêche Rouge, avec lesquels nous avons eu l'occasion de travailler sur certains projets de développement. La première chose qu'on a aimée, c'est l'architecture. Et la localisation de cette pépinière. L'image qu'elle avait aussi de côté écolo, qui est aussi dans la démarche dans laquelle nous sommes chez Nomacorp. On n'a jamais de problème pour faire venir nos collègues d'autres pays ou d'autres régions de France. Ils sont tous toujours très heureux de venir ici pour la beauté des sites et pour l'accueil des gens. Narbonne a l'avantage d'être une petite et une ville suffisamment grande pour qu'on ait... pas mal de choix au niveau de la restauration et des activités. C'est aussi pour ça qu'on s'est installé ici. La taille de la ville était importante. On va se développer sur le territoire du Grand Narbonne puisqu'on ne peut pas rester éternellement dans une pépinière. Donc on a déjà des projets avec le Grand Narbonne pour sortir de la pépinière, laisser notre place à de nouvelles entreprises qui en ont besoin et de déménager pas très loin.